Allô? Appel téléphonique. Allô? Allô? This is Maximum, on tournera. Bonjour avec les viewers, les subs, les modos. Allô? Hi, I'm Leo. I'm a rookie on the new cat spacecraft station near the Earth stratosphere. J'ai été assigné avec la mission de regrouper les chats de l'histoire pour faire une nouvelle planète uniquement gérée par les chats. On a envie de détendre notre territoire. J'ai besoin de trouver des bolts. C'est quoi? C'est des éclairs, non? Bolts and nuts. Ah non, c'est des noms de... Non, je sais pas ce que c'est. These nuts. Qui ont été perdus dans le temps. Parce que j'ai malheureusement cassé les outils, nos outils. Hein. Alors, en essayant de naviguer avec la machine à voyager dans le temps, est-ce que tu peux m'aider? Putain, le lore de fou. Vis et boulon. Ah, c'est vis et écrou, vis et boulon. Salut. Salut, je suis Félix. Je peux pas mettre en français le jeu. J'ai vu dans un rêve que les chats allaient conquérir le monde. C'est vrai ça, voyageur du temps? Écrou et boulon, d'accord. Ok, merci pour... Je ne savais pas du tout que ça voulait dire ça, vis et boulon, écrou et boulon. Dans mes rêves, j'ai vu un paysage de... Ah, c'est pas... Land of Sand, c'est... Enfin, land. Comment on peut traduire land directement? C'est pas un paysage. C'est... Landscape, c'est paysage, mais du coup, land, c'est une terre, ou une terre, c'est une terre. Une terre de sable, avec des pyramides, où les chats a été adoré. Bah oui, évidemment. Adulé. Allons-nous ici? Bon, vas-y. On va devoir trouver les chats. Ah, mais attends, je peux mettre en français peut-être? Pas du tout. Ah, si, français, c'est déjà en français, apparemment. Ça m'a pas. Ça m'a, voilà, je peux vous mentir que ça m'avait pas l'air très français, mais. Oh merde. Okay. Ah, il y a une musique dans le jeu. Je dois y aller. Non, pardon, je reste. Putain. Attends, merde, ça a vraiment fermé le jeu. Ok, je relance. Voilà, c'est bon, c'était super, c'était The Tower of Cats. C'est exceptionnel. Comment jouer? Cliquez sur les chats. Merde, cliquez sur les chats et les outils pour les tenir. Vous pouvez utiliser la molette de défilement pour effectuer un zoom avant-arrière. Cliquez et faites glisser pour déplacer l'écran. Les numéros sur la grande tête félin indiquent tous les chats cachés dans l'étage actuel. Le numéro sur le chat espion indique combien de chats sont cachés à l'intérieur des objets ou sous les objets. Waouh. Les chiffres dans les écrous et les boulons indiquent combien il reste à ramasser dans l'étage actuel. Ok. Le loup a dit que vous pouvez utiliser un indice dans l'étage actuel. Ok. Ah, moi, je veux jouer là. Ça, c'est les devs, ça. Ok, jouons. Et donc là, ça commence. Hop, là, il y en a un là. Regardez le speedrun. Le problème, c'est que moi, je suis vachement trop attentif en fait. Le problème c'est ça, c'est que je vais speedrun le jeu malheureusement. Parce que j'ai une vision aiguisée, vous savez, moi je joue à des jeux où il faut trouver des gens dans la nature, donc dans la pampa. Donc ça va aller assez vite si on veut. Oui, je peux zoom, mais... On va commencer par le haut, déjà j'en vois beaucoup trop là. Voilà, c'est-à-dire que pour l'instant c'est un massacre. Déjà plus que 26. Dit-il sans avoir vu le chat sous sa souris. Ah, on peut trouver les boulons aussi. Ah oui, voilà, faut ramasser les boulons. Regardez ça, déjà, hop. Hop, là, bam. Vous pourrez m'aider aussi quand je vais commencer à galérer. Mais cherchez avec moi aussi, évidemment. Je suis sûr que j'en ai loupé quelques-uns là. Oh, il y en a un là. Là. Vu, si vous en avez vu un que j'ai pas vu, dites vu. Ouais, les chats et les boulons, ouais. Les vis et les boulons. Vu. Plus que 18. Un écrou. Oh là. Là.
Là. Là. Là. Ah mais il en porte un, j'avais pas vu. Oh la ref. Oh là. Plus que 10, plus que 10. Ici, 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 ici. Ok, j'ai ramassé un écrou, écrou, écrou. Il reste une vis. Ok. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment il s'appelle déjà? Dans l'âge de glace. Putain, il s'appelle comment lui? C'est Scrat. C'est Scrat, effectivement, c'est Scrat. Plus que deux. Bah, GG. Ah non, il y a 7 chats cachés par contre. Ok, on a trouvé tous les chats visibles. Maintenant, il faut trouver les chats cachés. C'est-à-dire quand ils sont... Ça veut dire qu'ils sont cachés des... C'est-à-dire... Genre comme lui. Lui, c'était un chat caché, c'est ça? Non, c'était invisible, ça. Attends, mais du coup, les cachés, ils sont... Il faut les trouver. Ah, faut cliquer sur les objets. Ah oui, d'accord. Oui, ok, c'est ça la mécanique. Ah oui, d'accord, j'en ai fait pop 4. Bonjour. Ah, mais ça y est, c'est en français. Ok, genre là. Bon, sûrement qu'on peut pas y aller pour l'instant ici. Là. Oui, là, oui. Plus que deux. J'ai pas vu tout ce qu'il y avait en haut. Réussissez-vous à trouver tous les boulons et les écrous. Ils se trouvent dans chaque chambre. Oui, bah c'est... Comment ça? Putain, je suis revenu au menu principal. Ah, j'avais pas vu en haut. Ouah. Changement d'ambiance en plus. Là-dedans. Oh. Ah. Oh, la musique. Nanananana. Encore un. Là. Il reste deux vis. Une vis. Putain, je vois pas la vis. Où est la vis? Merde, tu sens que vous l'avez vu. Mais quoi? Elle est où la vis? Pas vu. Ah ouais, mais Oh, la vis, c'est hard, non? Même vous, vous l'avez pas vu. En haut, alors? Non? Dites vue si vous l'avez vu, mais c'est... What the fuck? Vous l'avez vu? Oh merde. Ok, vous allez dire chaud-froid maintenant. Là, cette zone-là. En haut, c'est chaud, c'est froid. Vous l'avez vu. Glacé. Là, regarde où je pointe mon doigt sur mon écran. Ah pardon, oui, effectivement. Ok, tu as raison.
Attends, mais ça devrait pas être si dur à voir. Ah mais c'est fou. Je suis sûr que vous aussi vous galérez à trouver. Toujours pas vu, bah ouais. Bah là on cherche une vis là pour le coup. Les chats on a déjà trouvé. Oh là là, mais what the fuck. Mais y'a pas. Non mais dites pas précisément l'endroit, sinon c'est pas drôle. Dites-vous juste que vous l'avez vu et on sera content. Ah, ça a l'air... Mais c'est si bien planqué. Je regarde partout. What? D'habitude, j'ai l'œil pour ce genre de choses, mais... What? Est-ce que ça peut être en extérieur? Non, je pense pas, hein. Non, c'est forcément à l'intérieur, mais quoi? Mais bordel de merde! Putain, mais c'est fou! Vu! Putain, mais moi je vois pas! C'est grave! Dieu. Bien bien planqué. Ah ouais, c'est des bâtards à ce point. Oh la vache. Si t'étais une vis, tu te cacherais où? Ah, je sais pas, dans le sol, vissé quelque part, je sais pas, vissé dans une branche, vissé sur un œuf, je sais pas, moi. Il va péter un boulon, pas mal. Ah, mais c'est quoi, ça commence déjà, là, la difficulté? Bon déjà, c'est dans quelle zone? Est-ce que c'est la zone visible à l'écran? Est-ce que déjà c'est visible à l'écran? On va délimiter un peu. Est-ce que c'est visible à l'écran? Non. Ok, c'est pas dans cette zone alors. Est-ce que c'est visible dans cette zone? C'est quoi le but du jeu? Trouver des chats et des vis. Est-ce que c'est dans cette zone-là? Non plus. Dans ce cas-là, il reste plus que celle-là. Quoi? Toujours pas? Mais comment ça? J'ai fait les 4. Mais c'est une blague. Allez, ici. Là, oui. Non, putain, mais... Allez, genre... Là, on la voit, là? Je peux pas zoomer plus, comment ça on la voit là? Non pas là, mais y'en a qui disent pas là et d'autres qui disent là. Vu aussi, oh mon dieu. Je vais péter un plomb. Je vais péter un boulon.
What? Elle est dans la bouche. Hein? Et là, on la voit plus. Attends, j'ai juste fait un petit mouvement et on la voit plus. Elle est plutôt vers le haut. Reste dézoomé, mais comment ça reste dézoomé? Oh, la musique, changeons de musique, vite! Trouvons la vie, séparons-nous! Bonjour Anaïs, c'est quoi ce jeu, Penger? Ah bah écoute, c'est le jeu de l'année, hein! C'est le jeu de l'année, il faut trouver des chats et des vis et des boulons, sauf que c'est trop dur de trouver! Mais c'est impossible. Mais en fait, une fois que vous l'avez trouvé, après, du coup, bah, ça vous paraît évident, mais... Je vois R, on est d'accord. Dézoome à fond, mais je peux pas dézoomer plus. En fait, y a pas d'intérêt. On est d'accord que ça peut pas être dans la zone sombre. Si, ah, ça peut. Ah, mais voilà, mais c'est de la triche, alors. Parce que moi, je m'interdisais de regarder à côté, quoi. Ah mais si c'est dans la zone si c'est dans la zone sombre, c'est de la triche. D'accord. Vu, bah ça y est, du coup tout le monde a regardé la zone sombre. Putain, tout le monde dit vu, non. Je cherche. Je cherche dans la zone sombre. Putain, mais comment... Mais... Quoi, moi je vois pas. Oh quoi? Non mais je vais péter mon crâne, non mais c'est n'importe quoi ce jeu de con là. What? Bon, il y a deux chats cachés là. Ici. On n'a pas trouvé encore. Donc ça veut dire qu'il faut soulever des trucs au pif et espérer qu'il y ait un chat derrière. Hop là. Et ben voilà, trouvé. On a trouvé tous les chats. On peut avancer. Pas ici encore apparemment. Nouvelle zone. 35 chats sur cet écran. Boulon. Là. Là. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Lunatic Shadow, merci pour les 6 mois de Prime. Là. Le chat momie. Pourquoi ils disent 0? Ah non, pardon, c'est 28. Et 28, 28 à trouver. Michou s'est fait rembourser le jeu à cause de cette vis. Ah ouais? Putain, c'est vrai que la vis était vénère. Hein. Là. Et Mister Nobody aussi pour les 30 mois. En fait, j'ai l'impression que plus on va avancer, plus ça va être difficile. Ici. C'est d'avoir l'œil. Là. Bon, il y en a qui sont très évidents. D'autres un peu moins, évidemment. Il y a encore un boulon qui traîne que j'ai loupé. Ah, il y a une vis là. What the fuck. Oh! Ah, mais il y a des objets à trouver. J'ai trouvé la hache. Elle peut être utilisée pour couper les branches. Oh, mais attends. Merde, je suis revenu au menu principal, le con. Attends, mais du coup... Ah, je peux couper là et rentrer là-dedans. Oh non!
Ah, il y a un boulon ici. Ok. C'est parti. Vis. Chat. Chat. Boulon. Chat. Chat. Boulon. Chat. 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 Vis. Chat. 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 Chat caché. Chat. 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 Ici. Ici. Il en reste 5 visibles, là. Oh, la musique me fume. Là, évidemment. On va procéder de bas en haut. Alors, il y en a des cachés, donc il va falloir cliquer. Ah, voilà, il y en a un caché ici. Donc, les roses, c'est les chats cachés, et les jaunes, les chats visibles. Ah, dans la zone sombre encore, peut-être, ouais. Bah, j'ai trouvé un boulot dans la zone sombre. Et je pense qu'il n'y a rien d'autre. Là-dedans, voilà, évidemment. Vis ! Il n'y a plus de vis. Non. Là ! Ouais, il était dur, celui-là. Derrière les eaux, non, le feu. Il y a un caché, donc il y a un truc qu'on doit déplacer encore. Et deux que je suis censé voir là. Ok. Et il m'en manque un visible et un caché. Toujours le dernier est le plus compliqué. Merde, oui, bah oui. Je vais le trouver aussi, je vais le trouver. Je sais où tu te caches. Merde, je sais pas où est-ce que... Ah là. Ok, mais en fait j'ai toujours pas le l'invisible. Alors le invisible, il faut cliquer sur tout en fait. Faut cliquer sur tous les trucs et il va pop. Bon, moi j'ai cliqué sur tout, il a pas pop, j'ai envie de moumou. Ah, ici. Waouh. Je comprends pas le concept de l'invisible, moi non plus. Bon, ça c'est fait. Y'avait pas un outil à récupérer là? Non, y'a pas d'outil, je pense. Trop bien la musique est là, j'aime trop. Chat. Chat. Boulon. Chat. Marteau. Chat. Qui ça? Bonjour, je m'appelle Horus. Je suis le gardien de cette porte. Ici se trouve une déesse dont je dois protéger le sommeil. Je peux vous laisser entrer si vous trouvez mon amulette de l'œil de rat. Qui m'aide à protéger sa tombe de toute force maléfique. Oui, j'ai perdu mon amulette en chassant un petit papillon de nuit. Les chats sont divins, mais ils sont toujours des chats, je présume. Oh, le cachet.
Bah là, mais attends, mais il est en énorme, lui. Attends, mais c'est quoi, ça? Lui, il était colossal. Attends, mais c'était un cachet de base, non? Bon, ça enchaîne. Oh, la streak. La streak incroyable. Ah non, mais ça, c'est où, là? Ah non, c'est bon, c'est encore dans la bonne zone. Ah oui, ok, ça, c'est une autre zone au-dessus. Attends, mais c'était un chat, ça? Ok. J'ai pas fait exprès, j'ai cliqué dessus sans faire exprès. Encore 4 visibles. 3 visibles. Un trou là. Ok, on a trouvé un visible ici. Mais c'était pas la même zone. Là. Encore 2. J'ai vu une vis. Putain, c'est vrai qu'il nous manque une 2 vis et un boulon. Ah. Ici. Vis trouvée. Vis trouvée, chat trouvé. Il reste un chat visible, un chat caché et un boulon. On peut essayer de trouver le cachet déjà. En déplaçant des trucs. Ah. Ah, le chat est là. Maintenant, faut trouver le cachet. Ah bah là. Juste ici, et une vis. Y'a plus qu'à trouver la vis. Un boulon, pardon. Boulon. Pardon, si je cherche une vis, je vais pas la trouver. Plutôt un boulon. Un écrou. Un boulon. Boulon, écrou. Écrou, boulon. En fait, sur ce genre de jeu, ça serait bien, vous savez, d'avoir la technologie qui permet de voir où est-ce que je regarde. Ça serait banger. Ah putain, c'est l'œil. Oh ouais. Ok, ça c'est validé. Qu'est-ce que... 86 chats à trouver là-dedans. Oh là là. Vous l'avez pas vu celui-là, hein. Faites pas genre. Y'a pas un cachet là-dedans? Non, y'a pas de cachet là-dedans. Vis. Oh là aussi, oh là aussi. Ouah, ça va être un calvaire là. Oh, le cachet. Le cachotier là aussi. Je peux pas déplacer. Allez, on peut pas cliquer. J'ai l'impression d'avoir tout vu ici. Pas de chat là-dedans. Ok, écrou. Il y en aura d'autres, hein. On repassera de toute façon.
repassera, mais il faut qu'on avance. Là. Là. Oh. Ok, il était bien caché celui-là. Des nouvelles salles. Écrou, chat. Secret, chat, chat, chat. Encore 45. Vis. Chacha. Il reste 42 chats. Putain. Fait chier, je suis hypnotisé, je n'arrive plus à bosser. Ah mais en même temps c'est peak gameplay quoi. Oh là. Bon, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. On repassera de façon. On repassera dans la pièce. On repassera. On va dégrossir déjà. Ok, il reste plus beaucoup de vis et de boulons. Ça déjà c'est cool que je les ai trouvés. Ah mais là ça serait bizarre que j'en trouve pas ici. Ah ici. Le cacher. Ok, écrou. Oh, l'œil de rat. Bravo. Il y en a plein. Il y en a partout. Ok, j'ai trouvé une vis encore. Le but du jeu, c'est juste trouver des chats. C'est ça. Concrètement, c'est ça. Ok, plus de vis. On se débrouille pas si mal. Franchement, ça va, je galère pas trop non plus. Hop là, il y a plus de cachet. Il y a plus de cachet. Il y a plus que un boulon et des chats. Je cherche si le boulon n'est pas là, mais je ne le vois pas. Et j'ai fait toutes les pièces. Ah putain, merde. Le boulong. Non mais là, il y en a plus ici. Là, il y en a plus, je suis désolé, il y en a plus. On est d'accord, la pièce est vide. On va pouvoir redescendre. Pour moi, la pièce est vidée. À moins que... Oh ! Oh, lui, il était bâtard. Lui, il était bâtard, hein. Lui, il était vraiment bâtard. Regarde bien en détail quand même. Là.
Là. Waouh. Zouzou, merci pour les 34 mois. Merci beaucoup Zouzou. Non mais là c'est... Là ! Plus que 11. Bon les chats cachés c'est vraiment juste de la pure chance quand t'appuies quelque part. Ouais c'est ça. Mais bon c'est des lieux... Trouver. C'est des lieux où tu... Enfin c'est des endroits où... qui attirent un peu ton attention quand même. Mais ouais c'est un peu bizarre. Il y en avait plein ici que j'ai loupé. Ne dites pas précisément où vous avez le droit de dire vu, mais pas où exactement. Ok, je pense que ça on a bien trouvé. Plus que 8. J'ai trouvé l'écrou. Oh là là. Sept. Là. Est-ce que vous avez vu le même que moi? Ah là. Plus que 5. Il y en a, ils sont vraiment bien cachés quoi. Ils sont si petits. Bah ouais, les derniers là, ils sont tellement durs à trouver. Et... En plus, il était... En vrai, j'avoue que le son, quand tu trouves un chat, il est satisfaisant. Un facile à trouver. Ah oui, il y en a un qui est genre bien visible là. Ah, c'est marrant que je le vois pas. Ouais, ne dites pas exactement où. Parce que bon, ça c'est nul, ça n'a aucun intérêt, jouez au jeu sinon vous-même. Par contre, bon, vous avez le droit de dire que vous l'avez vu pour participer. C'est pas mal. D'habitude, j'ai plus de facilité, mais là, là, c'est un peu la galère. Comment ça se fait que je trouve pas? En fait, faudrait que je regarde dans une zone où ça n'a pas été trop trouvé encore, mais même... C'est dingue. C'est dingue en vrai. What? Attends, mais il y a vraiment... Il en reste ici? Ah, il y en a qui disent vu enfin, c'est pas si simple. C'est vraiment pas gratis. Enfin trouvé. Ah ouais. Wow. Il est très relou. Ah oui, on est d'accord. Il est chiant, quoi. Et là, sur cet écran-là. Sur cet écran-là, on est d'accord. Ça, vous pouvez me dire... là, je vous pose la question. Là, vous avez le droit de le dire. Sur l'écran, là.
là, sur cet écran visible. Non, ah oui, parce que là, je vois rien du tout. On est bien d'accord. Bon, on va se limiter à cette zone. Je sais pas combien il y en a au total. Je pense qu'il doit pas en rester ici. À moins qu'il y en ait un autre. Il y en a sûrement un autre. Mais sûrement dans cette zone-là, peut-être. Je sais pas. Oh putain de merde! Non, c'est grave. Oh non, mais ça c'est interdit, ça. Non, ça, c'est interdit, par contre. Ça, c'est vraiment illégal. Illégal. Illégal, ce chat-là. Illégal. Oh, waouh. Bon, je pense que là, on a tout fait ici. On va repartir. Ah oui, il y a la salle du bas. Je pense que les trois derniers sont dans la salle du bas. Là, on en a forcément oublié. Comment ça se fait que je ne les trouve pas? C'est encore des Alors, je pense qu'ils sont bien planqués quand même. Je pense qu'ils sont vraiment bien planqués. C'est pas un chat ça, on dirait, mais non. T'es fou. Comment ça, je ne vois pas? Ça, c'est pas un chat, ça, si jamais. Ça non plus. Il y en a forcément un dans cette zone. Il peut pas... Non mais attendez. Cette zone-là, j'ai rien trouvé, donc il y en a forcément un. Et pourtant... Pourquoi il y a des chats violets? C'est des chats qui sont cachés, j'ai dû les... déloger de leur planque. Alors là, là je galère. Là c'est dur hein. Oh là là. Je vois vraiment pas. Là, je suis en train de regarder tout en haut. Je vois rien. J'essaie de regarder proche de ma souris. Comme ça, vous savez à peu près où je regarde. Ouais, vraiment... Pour moi, il n'y a rien du tout, là. Vue pas facile. Ah ouais.
pas un chat, ça. What? Genre là, là, vous voyez un chat, là. Là, dans cette zone. T'es passé dessus tout à l'heure, mais putain. Après, des fois, ce que vous croyez être un chat n'est pas un chat. Il y en a, ils se disent, tiens, ça c'est un chat, regardez. Non, ça c'est pas un chat. Oh, oh c'est grave. Non mais aussi, il fait 1 mm. Regardez, il fait 1 mm sur l'écran, là. Il en reste 2. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'autres ici. Il en reste deux, il en reste deux dans tout cet écran là. Il n'y en a pas un ici que j'ai loupé qui est genre tout petit. Pardon. Bon là on avait tout fouillé, en vrai je pense que là il n'y en aura pas d'autres. Et là il est dans la zone noire. En vrai cette zone là m'intrigue encore. Je pense qu'il y en a forcément un ici. Mais où est-ce qu'il se cache ? Et moi, j'en ai pas vu là. Il n'y a pas de chat ici. Ah, ils aiment bien en mettre quelques-uns très compliqués, évidemment. Il y en a des très faciles et il y en a des très durs. Vous avez réussi à le voir, là ? Vous dites vu, là ? Vu ? Vu ici ? Non, mais attends... Ah ouais? Oh! Ah oui, ok. Ok, il en reste un et il doit être par là. Ça compte pas ça. Ça compte pas ça. Pour moi c'était ça mais c'est pas ça. Non c'est pas ça. C'est pas ça ni ça non plus. Voilà je vous le dis. Donc vous avez rien vu. Vu, rien vu, vous n'avez rien vu. C'était pas un chat. Oh! Ok! Putain. Let's go! Oh, c'était hard ça, hein. Oh là 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 là. C'était
C'était le calvaire, c'était la galère. Tiens, ton œil. Je te rends ton œil. Ok. Il faut trouver 17. Bon, ça va, c'est juste un écran. C'est juste un écran, ça va le faire. Vis. Chat. 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 Attends, tout ça, c'est un chat. Chat caché. Chat caché. Chat caché. Écrou. Chat, évidemment. Chat. Y'a pas un chat là? Ah si, ici. Écrou. Là, ça va être beaucoup plus simple. Chat. 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 Ça peut pas être derrière ça, à mon avis. Chat! Gros chat! Vis. Ok, il n'y a plus de vis, il reste 3 chats. C'est quand même pas celui que j'ai fait en premier, hein. ça me fume. Chat. Il y a aussi un caché. De trouver sa planque. Et chat, sans faire exprès, en essayant de trouver la planque. Je cherche la planque. J'essaye d'activer la plante. Ah mais j'ai cliqué sur tous les objets! Bordel. Dans le tas de sable? Non. Ah mais où est-ce qu'il est planqué dans le décor là? Bon, il y en a un qui est visible en attendant. On va trouver celui qui est visible. Celui qui est visible, il est là. Maintenant, il faut trouver juste le truc à ouvrir. Il y a un truc à débloquer pour que le chat apparaisse. Mais j'ai cliqué sur tous les objets, je comprends pas. Ah, c'est qu'il y en a deux dans le livre. Oh putain. Bravo. Ah, j'ai pas encore l'objet qu'il faut pour aller là. Et bon, on va passer à la suite. Cette bibliothèque contient toutes les connaissances du monde, mais avant que vous y entrez, vous devez acquérir des connaissances précieuses sur la sagesse des chats. J'ai laissé 5 parchemins contenant les plus grands enseignements éparpillés dans ces environs. Et me voir quand vous aurez toute la sagesse du chat. Pour le gros chat. Vis. Chat. Vis, parchemin. L'homme heureux est celui qui a un corps sain, une âme riche et un chat bien soigné. Thalès 4. Boulon. Chat. Chat. C'est vrai qu'il y a des parchemins à trouver aussi. Boulon, chat, parchemin. Qu'aucun homme ne soit appelé heureux avant d'avoir adopté un chat. Jusque là, il n'est pas heureux, il est simplement tort. Quoi? Non mais n'importe quoi. Vis. Enfin, une propagande des chats, ça. Très bien les chiens aussi. Hop. Oh la planque.
T'enchaînes bien, ça enchaîne très très bien. C'est grand cet endroit en vrai. Parchemin. Une chose que je sais, c'est que les chats sont des âmes merveilleuses. C'est la source de ma sagesse. Plateau 4. Parchemin. Toutes les âmes humaines sont immortelles, mais les âmes des chats sont immortelles et divines. Oui, d'accord, c'est bon là, c'est bon là, c'est bon. L'amour est composé d'une seule âme qui s'occupe d'innombrables chats. Oh, mais... Putain, la team chat, ils sont complètement fous. Hein. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tout va bien avec votre mission. Trouver les boulons et écrous. Ma tante Judy peut vous aider si vous la retrouvez. Quoi, t'as perdu la tante Judy? On enchaîne tellement bien. Il en reste plus que 4 déjà. Trouver la vis. Non, ça c'est en haut, ok. Pas la bonne zone. Là. Là, là, là. Vis. Vis vue. Bon, il faut trouver un écrou, 3 chats et un cachet. Bon, on a trouvé le cachet. Plus que 3 chats et un écrou. Ok, bon, les chats étaient faciles. Il manque l'écrou. Où est-ce que je l'ai laissé celui-là? Où est-ce que je l'ai laissé ce coquin d'écrou? Là. Ok, bah c'était très facile. On va rentrer là-dedans. Il faudra apporter ses parchemins aussi. Alors, nouvelle salle. Ok, 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 encore 20. Vraiment 20 là-dedans. La vis était toute petite, mais elle était là. Ok. Chat caché, chat visible, chat visible, chat... Chat visible, plus que 4. Ah, il y en a bien un dans l'eau, ok. Ok, j'ai même pas fait exprès pour celui-là. Le cachet. Il reste un cachet. Ah, le cachet, je clique partout. Hein. De toute façon, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Trouver un truc dans le décor qui est bizarre. Ah, en tout cas, là, il y a un bien visible. Merci, Better Paladin, pour le deuxième mois. C'est vrai qu'il y a les écrous et les vis que j'ai pas encore cherché. Écrou. Écrou, ils sont minuscules, hein. Vis, putain, mais ils sont vraiment tout petits. Ils sont toutes petites chats. Vis. Hmm.
Encore un vieil écrou là. Ok, il était pas compliqué celui-là. Donc il y a un qui est caché. Là, oh là là, l'écrou, il était dur. Et enfin, le chat masqué, où est. Alors là... Ah bah voilà. Tout simplement, bravo. C'est rapide. Je vois que vous avez trouvé toute la sagesse des chats. Tu as l'air d'un ancien. Un jour, on va construire peut-être une statue à votre image. Oh, nouveau lieu. Waouh. Là. Il y en a 35 ici. Ah oui, il y en a vraiment partout. Écrou, chat, chat. On va zoomer, on va faire zone par zone. Les dessins sont magnifiques, les dessins sont très bien. Écrou. Vis, chat. Ouais, de base, c'est pas planqué, mais... pas facile. On aurait dit un chat. Là, évidemment, avec son petit sourire, regardez. Sourire de Vislar. Vis. On va faire toutes les cases. Oh là, waouh, comment je l'ai pas vu celui-là? Comment je l'ai pas vu avant? Waouh. Plus que 13. Boulon, chat... chat, 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 caca. Ah non, je croyais qu'il y avait un cachet dans la litière, dommage. Quand tu sais sur quel objet cliquer pour les chats cachés, c'est des objets intrigants. Genre, tu vois là, je me suis dit, il y avait un coffre, alors ça pouvait être dans le coffre. Un endroit où il pourrait être caché ou une interaction chelou. C'est de l'intuition. Le boulon. Hop là, boulon encore. Plus que 3 chats et une vis. Il dézoome. En vrai, c'est dur en dézoomant. Je trouve que c'est plus facile de zoomer quand même. Que là, dézoomer comme ça, il y a trop de trucs à l'écran. Vis. Maintenant, il faut trouver les 3 derniers chats. Oh, les coquins là. Hmm.
Là. Encore deux. J'y suis presque. C'est imminent. C'est imminent. Non mais là, il y en a forcément que j'ai loupé. Oui. Plus que un. Plus qu'un seul. En tout cas, le jeu, il tourne en 60 FPS, là, c'est... Ça se ressent, je pense. Les 60 FPS, là, on les ressent bien. Notamment au niveau des mouvements, là. Ah, il y en a qui ont vu le dernier, ok. Tout le monde l'a vu. Merde, pourquoi pas moi ? Pourquoi moi je le vois pas ? Merde. Il est pas simple. Il est plutôt simple ou il est pas simple ? Parce que bon... Il n'a pas l'air simple à mon avis. Ouais. Trop facile. Ça va en vrai. Ouais. Ça peut être n'importe où. Il y a pire. Il y a pire dans la vie. Non mais je vais le trouver, je vais le trouver, c'est imminent. Nes, vous êtes des faucons, bah ouais, ils sont chauds. Ok, on va regarder un peu dans cette zone. Est-ce que c'est à droite? Oui ou non? Je pense pas. Non, on est d'accord. Est-ce qu'il est actuellement visible? Allez, sur mon écran. Oui, ok. On va essayer de le trouver là-dedans. C'est dingue, quoi. Waouh. Comment ça, je ne le vois pas? Genre là, il est... évident. Il est fourbe. Ah, on est d'accord. Sinon, je l'aurais déjà trouvé. Mais c'est dingue.
Bah, je sais pas, je cherche une tête, je cherche un... une queue peut-être. Et encore. Ouais, parce que là vraiment I don't know. C'est pas une queue ça, si jamais. Ça c'est pas une queue. Oh! Oh putain. Putain, comment j'ai... Mais putain, mais c'était galère hein. Oh là là. Bravo. Bon, ça c'est fait. Nouvelle zone. Ça va se compliquer, je pense. Écrou, chat. Et de plus en plus de détails. Et pas facile. Oh, le cachet. Ok. Déjà pas mal. C'est plus facile à escalader que difficult game about climbing. Ah bah oui. Et là, tu peux pas redescendre. Pas mal. Veut lui. Je pensais avoir brisé la malédiction du château, mais certains chats sont encore dans leur mauvaise forme. Nous devons les trouver pour libérer de la malédiction avant qu'ils ne propagent dans notre époque. Attends, il y a un château là-bas après. Qu'est-ce que... Ah oui, je dois trouver tous les mauvais chats là. C'est que cette histoire. Des chats bonus. Ouais, ok. Donc il y a deux niveaux dans le niveau. Donc ça il compte pour autre chose apparemment. Ok. Il y en avait un juste à côté du gros chat. Mais déjà je vais me concentrer sur les chats ici. Les chats en dehors du décor. Mais comment on sait combien il y en a en dehors du décor? On sait pas ça par contre. On n'a pas l'info. Il en reste combien? On sait pas. Des chats sur le château. Là, je ne vois pas ici. Alors, évidemment, il y a ceux-là. Mais en dehors du décor, je ne vois pas. Ah si. Est-ce que c'est bon? Ah non, il y a écrit 3 là.
Attends, il y en a sûrement dans la forêt. Bon, on va revenir sur le niveau principal. Ça serait pas mal. Pas caché. Vis. Ici, il y en a encore 18. Écrou. Il y en a plein, il y en a plein. Plus que 8. 7. 6. 5. Écrou. 4. Trois. Deux. Bon, ça c'était un cachet easy. Y'a pas de chat dans les boucliers? Non. Ok, il y avait un cachet là-dedans. Peut-être dans les canons. Non, il n'y en a pas dans les canons. Donc il y a deux cachets et deux visibles. Alors attends, les visibles... Les visibles ne sont pas si visibles que ça, hein, je suis désolé. On aurait dit des chats, mais ça c'est pas des chats. Ah! Encore un! Encore un! Oh la vis, y'a plus de vis, ok. Un chat visible et deux chats cachés. Bon, les chats cachés c'est plus facile que les... En réalité, parce que c'est juste des gros objets à cliquer. Mais faut que je trouve le dernier visible. Oh! OMG. Très bien, il y en avait beaucoup dans cette zone. Et maintenant, il faut juste cliquer sur des objets. Au pif. Enfin, pas tout à fait au pif, mais... Voilà, vous avez compris l'idée. Il n'y a rien à la fenêtre, là. Tonneau, rien du tout. Corde, non plus. Ouais. Et bordel. Moi j'en puis pioux. J'ai cliqué partout. J'ai cliqué partout. Là-dedans, là, là, dans les sacs, non? Oh, quoi? Alors là, ok, pour le dessus là, fallait le trouver, hein. Oh putain. Encore un. Les chapeaux là, non? Drapeau non plus. Dans quel truc il peut se trouver? Je vois pas sur quoi je peux cliquer pour le montrer, hein. Franchement. Alors là. Il y a un dehors que t'as pas vu. On s'en occupe après.
J'ai cliqué partout, je vais péter mon crâne. Où est-ce qu'il pourrait être planqué? En fait, techniquement, vous pouvez pas le voir, le chat, là. Il est forcément derrière un objet. Et tant qu'on n'aura pas cliqué sur l'objet en question, il n'apparaîtra pas. Donc, vous n'avez pas pu le voir. Ah si, même malgré ça, vous l'avez vu quand même. Mensonge. Calomnie et mensonge. Enfin, la mécanique des chats cachés nulle. En fait, je vois pas ce qui ressort, en fait. I don't know. Là, il y a un boulet. On a déjà trouvé derrière le boulet. On va cliquer sur tous les pavés. Non mais là... Un bouclier? Non, pas le bouclier. Les épées non plus. En fait, on peut faire par rapport au positionnement des chats cachés. Donc il y en a trois ici, donc il y en a forcément un par là. C'est quoi le jeu? C'est Auto Wars Full of Cats. Vraiment, c'est fou, j'ai tout trouvé facilement sauf ça. Ah ouais, non mais vas-y, c'était horrible. Non mais vas-y, c'était infâme. Il y a un million de trucs, comment tu voulais le voir? C'est horrible. Alors, il reste deux chats extérieurs. Deux chats volants. Logain, merci pour les 35 mois, merci beaucoup. Je vois pas du tout ici. Et de ce côté-là. Donc là, on les cherche en dehors du décor. Merci également Marco Gadjo pour le Prime. D'ailleurs, vous avez vu la news, c'est vrai que je vous en ai même pas parlé, mais vous avez vu que les subs vont repasser... Ah, il est là. Vous avez vu que les subs vont repasser à 5€. Ah, il est là. OMG. On va rentrer là-dedans aussi. Vous avez vu que les subs vont repasser à 5€. Donc ça sera en juillet, si je dis pas de bêtises. Alors, en fait, je sais pas exactement ce que ça va changer. Ça va revenir au prix des subs qui étaient avant.
Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je suppose que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les streamers, en tout cas. Que ça va les aider un peu plus financièrement, parce que je pars du principe quand même que quelqu'un qui veut mettre 4 euros peut mettre 5. Par contre, du coup, à l'époque où les gens, ceux qui pouvaient mettre 5 pouvaient mettre... Enfin, le fait que les gens qui pouvaient pas mettre ni 5, enfin, ne pouvaient pas mettre 5, ne pouvaient pas mettre 4 non plus. Donc en fait, la diminution était bizarre. Désolé, hein, je me suis embrouillé, mais... je sais pas. En fait, je pense que ça va pas faire une giga différence, sauf ceux... à qui... Je ne trouve plus les mots. je suis en train de me transformer en chat, là. Mon cerveau est en train de se transformer en chat, malheureusement, donc je dis n'importe quoi. Par contre, voilà, ce que je voulais dire, c'est que les viewers qui, par exemple, sont abonnés à 5 chaînes, ou à 10 chaînes, eux, ça va faire une différence. Donc ils vont peut-être se dire, ok, bah, 2-3 chaînes en moins, je vais abonner à 2-3 chaînes en moins, du coup, pour compenser. Alors que quelqu'un qui est abonné à une seule chaîne, je pense que ça va pas faire une grosse diff. Par contre, ouais, si tu soutiens beaucoup de streamers, c'est compliqué. Mais je pense que c'est quand même gagnant pour les streamers. Oula. Qui, en vrai, est plutôt cool parce que bah, Twitch, ça devient de plus en plus difficile d'en vivre, alors... Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en même temps, ils baissent le prix des primes, donc... un peu la baisse, quoi. C'est un peu la baisse, c'est un peu un moyen de se rattraper. En fait, pour moi, ils auraient jamais dû diminuer le prix de base, en fait. Le prix aurait jamais dû diminuer de base. Et en fait, vous connaissez la raison pour laquelle ils ont diminué les prix des subs à la base ? Une raison débile, hein. Une raison débile qui nous a tous mis dans la merde pour rien. Et ils ont jamais dit officiellement que c'était ça, mais on le sait très bien. Par rapport au Prime, exactement. Parce que avant, les Prime étaient alignés avec les subs. Et donc, pour gagner de l'argent, ils se sont dit, tiens, si on passe de 5 à 4 euros, du coup, les Prime passent de 5 à 4 euros aussi, en termes de valeur. Donc ouais, c'était pour faire baisser les Prime, parce qu'en fait, ça fait des années qu'ils veulent s'en débarrasser. Et diminuer. Et ça fait que récemment qu'ils disent, bah en fait, finalement, le Prime ne sera plus indexé sur un sub. Mais vous auriez dû faire ça avant. Ils auraient déjà dû faire ça avant, ils auraient dû dire, bon bah maintenant les Primes ça vaut plus que 4, et laisser les subs à 5 euros. Ils auraient dû dire ça direct. Ça aurait été mieux. Il n'y aurait pas eu ce problème de 70-30 et tout, il n'y aurait plus ces embrouilles. Voilà, ils n'ont pas fait les bons choix. Donc bon, maintenant ça revient en arrière, mais... Quel dommage. Quel dommage. La raison qu'ils avaient donnée, c'était pour qu'il y ait plus de subs. Oui, mais ça, c'est une raison de merde. C'était faux, en plus. C'était pas avéré, ça n'a pas fonctionné. Les gens ont pas plus subs. Les gens ont pas plus subs, ils se sont juste dit « Let's go, j'ai fait des économies !» C'est tout. C'est tout ce que les gens se sont dit. Je pense qu'il y a que... 1 ou 2% des personnes qui se sont dit « Ah, les prix ont diminué, je vais pouvoir m'abonner à plus de streamers. » Je sais pas, il n'y a pas tant que ça, hein. Je pense que c'est pas la majorité, ça. Parce que, comme je le disais, quelqu'un qui pouvait mettre 5... Enfin, en fait, à partir du moment où quelqu'un peut mettre de l'argent, il peut mettre 4 ou 5, peu importe. Par contre, quelqu'un qui ne pouvait pas mettre 5 ne peut toujours pas mettre 4, même 3, ça change rien. Vous avez des trucs sur les Twitch Turbo? Oulon. Des trucs sur les Twitch Turbo? Non, enfin, on gagne un peu d'argent quand, effectivement, vous regardez le live et qu'il n'y a pas de pub grâce à votre Twitch Turbo. Ça nous redonne un tout petit pourcentage de l'abonnement. Donc, si Twitch Turbo rapporte un peu. Oh, il n'y a plus de chat, il n'y a plus que 2 chats cachés et une vis. Je vais cacher une vis. Bordel. Mmh.
Oh putain. Oh, il était galère ce chat. Ok. Une question, ça démarre quand le retour des prix initiales? Pour les primes, là c'est déjà le cas. Depuis juin. Et pour les subs à 5€, c'est en juillet. Le 11 juillet. Alors pourquoi le 11 spécialement, je ne sais pas. Mais c'est à partir du 11 juillet. Empire Royal qui dit, perso, je m'abonne à plus de streamers à 3,99€ plutôt qu'à 5€, car quand tu fais des tranches de 5 par sub, par ses morts, ça chiffre vite. Alors c'est le cas, effectivement, si tu subs à beaucoup de streamers différents, c'est vrai. Mais la grande majorité des viewers déjà ne sub pas. Ensuite, il y en a beaucoup, l'autre grande majorité s'abonne à un seul streamer. Et rares sont ceux qui vont s'abonner à plusieurs. Bon bah effectivement, si tu t'abonnes à 10 chaînes, Empire Royal, oui. Au lieu de payer 40€, tu vas payer 50. Donc en fait... Ah, tu vas devoir, entre guillemets, te désabonner de deux, peut-être. Tu veux payer pareil? Bientôt les 2 ans au New Love. En fait, les streamers qui vont bénéficier de ce changement, c'est clairement les gros. Alors ça, c'est très vrai. Les très gros streamers, eux, bah, ça va les mettre très bien. Là où les petits, bah, ils vont prendre cher, parce que les petits, c'est pas souvent ceux qui sont subs en premier. Et même ici, en vrai, c'est un peu le cas. Moi, je pense que ça risque de diminuer un peu les subs de cette chaîne-là. Parce que je pense pas être le streamer numéro 1 dans le cœur des gens. Donc effectivement, s'il y en a qui se baient à 4 streamers, dont moi, et que je suis le 4e, bah, je vais sauter, je pense. Par exemple. Ça dépend. Vous n'êtes pas rémunéré avec le nombre de viewers? Ah non! Ah non, non, le nombre de viewers, c'est bien pour les OP. C'est tout. Perso, je suis up que chez toi. Let's go. Super Omi, let's go. Bah, il reste un chat caché et une vis. Putain, je la vois pas, la vis. Vous la voyez, la vis? Je pense l'inverse, que les streamers avec une plus petite communauté ont plus d'engagement. Je sais pas, ça dépend. Ouais, je sais pas. Peut-être, hein. En vrai, par contre, c'est un peu vrai. C'est que les très gros streamers, ils ont beaucoup de subs. Les petits streamers qui se sont pas fait forcément connaître via d'autres streamers ont aussi pas mal de subs. Et puis, t'as les streamers comme moi qui ont un peu les deux, qui ont pas mal de gens qui regardent quand les autres sont pas là. Mais du coup, qui se passent spécialement en premier lieu. Donc effectivement, est-ce que ça va m'impacter ou pas, positivement, négativement, je... I don't know. Vise vue? Comment ça, vise vue? Boulon vu. Ah, il y a un boulon aussi, putain, c'est vrai. Il reste un boulon. Oh là là. Oh, je me concentre. Vise vue. Je ne sub que chez toi perso et quand le prime aura disparu, je prendrai un abonnement normal. Ah, let's go, Seb Sopra. Boulon vu. Ouah. Attends, mais il est où ce boulon là? Where boulon? C'est pas un boulon, ça, merde, c'est un rond. J'ai vu un rond, j'ai cliqué. C'était pas ça. Ça, c'est pas un boulon non plus. Là! Ok, bon, il reste plus que le chat caché. Encore! Putain, les chats cachés, ça devient galère.
Ça devient vraiment galère, les chats cachés. Et merci Famous King pour les primes. Non mais attendez, mais y a même plus les alertes pour les primes en fait. Et je viens de tilter. Attends, mais quoi? Attends, mais je viens de tilter qu'il n'y a plus les alertes pour les primes. C'est d'accord. Attends, mais il n'y a plus les alertes tout court, non? C'est bizarre. Attends, si je remets une alerte pour voir. Est-ce que c'est bon? Là, ça marche. Je vais diminuer un peu le son du jeu quand même, vite fait. Je peux pas? Je peux pas. Ça, ça marche, mais par contre, pour les primes, il n'y a plus les alertes. What the fuck? Que c'est sur cette chaîne uniquement ou c'est Streamlabs qui pète un plomb? Ou que Twitch, du coup, ont déconnecté les alertes de leur API? Non, ça serait fou. Le train de live approche! Ah. Le train de live a disparu. Bah merde! Où est-ce que tu te caches, bâtard, là? Le chat, là, le dernier, là. J'essaie de le libérer de sa zone, mais je... Je ne vois pas. Merde. Fais chier! Un indice. Est-ce que c'est sur mon écran le chat caché? J'ai cliqué sur tous les objets, je comprends pas. Merde, tu es sorti. Du Draxico. En fait, c'est forcément un élément qui ressort. À part mon salaire, il y a d'autres choses qui ne vont pas augmenter. Je check Discord STP. Ouais. Ouais, c'est bizarre, il manque des alertes, ouais. Chelou. Mais c'est peut-être Streamlabs qui est cassé, hein, tout simplement. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Après, Streamlabs a pris cher avec l'événement d'hier. Ah, et le temps de live qui revient. C'est que ça. Et regardez, il n'y a pas l'alerte. Merci Ta DHG pour le Prime. Mais pourquoi il n'y a pas les alertes de Prime? C'est chelou ça. Attendez, est-ce que c'est chelou? What? Est-ce que quelqu'un peut renouveler un sub normal? Y a pas quelqu'un qui a un renouvellement de sub là en attente pour faire l'alerte pour voir? La canette attend combien? 1 million! Bon, je trouve pas le chat. Ouais, mais c'est pas. Ah là, ça marche. Ok, pour les non-primes, ça marche, j'ai l'impression. Novalis, merci pour le cinquième mois. Ça a l'air de marcher, ça. Par contre, Oslo, il est pas apparu. Hein? Merci. Enfin, merci. Ouais, Oslo, pardon. Oslo. Oslo. Ols0793. 8e mois d'abonnement, ça n'affiche pas. Mais c'est pas ça, mais 1 sur 2. Merci, mais what the fuck. Est-ce que si je me déconnecte, reconnecte de Streamlabs peut-être? Ah là, ils sont affichés. Ok, là ça s'est affiché. Du coup, je reprends que l'alerte.
Ok, peut-être que j'avais un bug de Streamlabs. Merci beaucoup. Ok, Pandalea, ça va s'afficher. Merci Pandalea pour le 14e mois. Attendez, mais du coup, il y en a que j'ai dû louper. Marco, c'est bon. Vitria, 21 mois, merci beaucoup. Clogain, 35 mois. Zuzu, 34 mois. Priya, 11 mois. Lunatic Shadow, 6 mois, merci beaucoup. Fixis, pour les 30 mois. Mais ouais, mais il y a plein de sauts qui ont sauté. Madoff, les 42 mois, merci. Ouais, il y en a qui ont sauté, mais putain, mais Streamlabs. Witch Pipou, merci pour le sub. Offert. C'est bon, ça remarche, j'ai l'impression. Fallait juste que je relance ma fenêtre. Et que je relance Streamlabs. Let's go. Bon, il est où ce chat, je sais pas. J'ai regardé partout et je vois pas où est-ce qu'il peut être. Un indice. Je veux bien un petit indice là. Sinon je clique là-dessus. Putain non, il veut montrer la position carrément. Ah non mais il me le reveal. Mais comment ça l'ours? Mais j'ai déjà cliqué dessus. Non mais j'avais déjà cliqué dessus. Oh ça casse les couilles. Non mais moi j'avais déjà cliqué dessus donc à mon avis j'ai cliqué trop haut et du coup ça a pas compté. Super. Énorme. Putain mais... Ok, ok, en fait c'était sur la bouche, j'ai cliqué sur la tête. Scandaleux, scandaleux. Par contre, je comprends pas pourquoi je peux toujours pas. Regardez, il y a... Alors, c'est ici? Non, c'est pas ici. Là. Non, c'est pas là. Ça sera plus tard, je pense. Mais là, je ne peux toujours pas activer ce truc. Donc il doit me manquer des objets. Il n'y a rien, il doit me manquer des trucs. On va progresser, on verra bien. Ça doit être là-haut qu'on récupère tout ça. Et c'est reparti. Ah, faut trouver les poissons. Et lui va dire qu'il faut trouver les poissons. Ah, salut! Nous sommes sœurs et nous vivons dans le magasin ci-dessus. Et oui, notre propriétaire adore les chapeaux. Nous allons droit au but avec la révolution industrielle. Nous avons vu beaucoup de fumée noire dans la ville. Nous craignons pour l'avenir de notre planète. Pourriez-vous nous aider à planter ces graines? Ah ouais, ok. Merde, tu es revenu au menu principal. Et du coup, ah oui, voilà. Okay. Boulon, chat, plante. Et l'autre, il veut des poissons, c'est ça? Comment vous trouvez des chats et des poissons? Bébé. Pas encore à quoi ça va me servir. Arrêtez, je veux pas vous parler, vous. Ça, vis, poisson, chat, poisson, chat, 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 poisson. Ah, il faut trouver 11 poissons pour eux là. Est-ce que c'est d'accord? Plante en pot. Plus on joue à ce jeu, plus on a l'œil. Oh la vache. Un chat qui ressemble à une bouteille. Oh oui, oh là là. Oh la masterclass. Redescends, attendez, attendez, on redescendra après. Là, il y a un chat, là. Poisson. Poisson, vis. Chat. Là, je suis en masterclass. Laissez-moi dans ma masterclass. Chat. Chat. Je suis sur une streak. On pourra accéder à ça maintenant.
10. Oh là là, oh là là, il n'y a plus que 3 chats et 3 chats cachés. Ok. Là. Encore un chat visible. Hop, 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 dites pas exactement où c'est. Hein. Non, vous jouez au jeu vous-même, hein. Ça n'a pas d'intérêt sinon. Oula. J'ai entendu dire que vous avez aidé à améliorer l'avenir de la planète, c'est bien. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas votre mission de trouver les boulons et les écrous. Oui, c'est bon. Portable, le chat. Là. Très RP, ce jeu. Oh, il était dans la valise, lui. Ok. Que je le vois pas là, je galère. On fout le galère. Vous l'avez sûrement vu. Pourtant, on a fait des pas évidents. Il est pas nice celui-là. Ah ouais, oh là là. Il est vraiment pas nice. Il est vraiment pas nice. On a combien de subs d'ailleurs? C'est une bonne question pour parler des subs. On a combien? 693. Enfin, bientôt de retour à 700, mesdames et messieurs. Bon, d'après le baromètre, nous sommes toujours petits streamers. Ça, c'est... Voilà. Hop là. Le baromètre. Le barreau. 693. Ah, là. Putain, on l'a trouvé. Ok, il reste deux chats cachés. Bon, ça, c'est les chats durs, on les fera plus tard. Zone après zone. Loin de reparler à Antoine. Bah, vous savez que depuis qu'on est plus à 1000 subs, il ne m'a plus reparlé pour l'Ultime Gamers. Donc j'ai un peu le seum. Donc je crois que en fait, on faisait une blague là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est la vérité. Allez là, le chat, mais ils sont cachés où les deux? Antoine ne blague jamais avec les subs, non, vraiment pas. Pour lancer, bah ouais, mais envoyer un message tous les jours, ça va saouler. Hein. Bah merde! On planqué où? Qu'est-ce qui ressort du décor qui pourrait cacher un chat? Il y en a deux en plus. Les escaliers, non? Ah non, ça c'est pour en haut, ok. Ma patience est cachée dans le décor. Car il y a battu de Quadra, il veut garder son titre. Oui, mais bon, il faut refaire une émission, là. Là, ça fait trop longtemps, là. Ça va faire deux mois qu'il n'y en a pas eu. Ça commence à bien faire. Moi, je dis, au bout de deux mois et demi, c'est forfait. Hein.
Pourquoi il y a des chats verts et bleus? Les verts, c'est les cachets. C'est ceux qu'on doit trouver en dévoilant le décor. Bonjour Emma. C'est forfait et du coup c'est s'il y a forfait c'est celui qui était là la dernière fois qui prend la place. On redonne la couronne à, on donne la couronne à Fred. Ça, c'est ça qu'il faut que je lui dise, ça va le motiver je pense. Je lui dis bon bah si dans une ou deux semaines, si dans deux semaines il n'y a pas de réponse, c'est Fred qui prend la couronne. Je pense hein. Moi je pense hein. Il n'y a plus le choix. Hein. Du chantage, c'est pas du chantage, c'est la règle. Voilà, c'est JDG qui prend la couronne et qui voilà. Il y aura une réponse instante si tu dis ça. Je tente, reste après, ok. Aujourd'hui, j'envoie ça et on voit ce qui se passe. Ouais, parce qu'en fait, si je précise que c'est JDG, il y aura la réponse. On a le droit d'aider. Là, je veux bien quelques indices, effectivement, pour... parce que... Est-ce que c'est sur mon écran, le chat caché? Je vois pas quel élément de décor pré-pop un chat, là. Vraiment... Ouais, c'est... Déjà, trouver un chat dans la valise de la voiture. Y'a rien dans le chapeau. Rien dans tous ces objets. Rien au niveau de la lampe. Rien au niveau des escaliers. J'en conclue que le jeu est bugué. Salut Colis. J'ai fait hier celui-là, il est vraiment bien, mais plus dur que ceux d'avant. Ah ouais? Ah putain, mais moi c'est mon premier, du coup, la galère de fou. Chaud. Non mais c'est abusé. Mais en fait, faut trouver des rangements. Encore un. Dans le tuyau, là? Non, pas dans le tuyau. À la fenêtre, non plus. Peut-être dans les boîtes là non plus. Là-dedans là, non rien. Dans le pot, dans les livres. Dans la roue, dans les affiches, dans les poubelles. Sous le tapis. Comment ça vu? Mais comment ça vous pouvez voir vu? Mais quoi? Mais comment ça vous voyez? Non mais les chats en haut c'est... si vous avez vu ça, c'est pas la bonne zone. Voilà. Jamais. Portière, les roues. Ah, dans la bonne zone, vous avez vu? Peut-être une débrique au sol? Quoi, mais... What? Hein? Quoi? Mais comment ça, vu? Genre, c'est logique, là, vous allez me dire. Quoi? Mais c'est impossible. Mais c'est pas le chapeau. Vous pensez le chapeau? C'est pas le chapeau.
La roue, parapluie non plus. Parchemin non plus. Bah j'ai cliqué sur tous les objets de la map. Terminé. Pas l'objet, mais c'est forcément un chat caché. Donc il y a forcément un objet à cliquer. On voit le chat les découverts. Mais non, je les ai tous trouvés les découverts. Je les ai tous trouvés les découverts, donc c'est pas logique. Regardez, c'est écrit là. Écrit 0, visible, 1 caché. Ah, plusieurs chats cachés sur le même objet. Ah, c'est un que j'ai découvert et que j'ai pas vu. Comment ça? Attendez, faut que je regarde à des endroits où... Oh non. C'est des bâtards. Des bâtards. Des gros bâtards. Ils ont mis tous les cachés au même endroit. Tous! Ils sont tous là. Non, mais c'est grave. C'est giga grave. Ok, on va rentrer là-dedans. Oh là là. 57, t'es sérieux? 57. Oh. OK. Oh, le boulot. Le jeu du travail. Putain, mais la pièce est grande. Ah, il y en a caché derrière, les bâtards. Je sais pas si je zoome. Zoomer, ça aide quand même. J'ai l'impression qu'il y en a trop au plafond pour l'instant. On va se concentrer sur le mur. On va pas regarder trop le plafond. On rappelle, ne dites pas où, s'il vous plaît, je vous en supplie. Oh, pour la cachette. Oh, cachette sans faire exprès. Vis, chat. Ils sont tellement de mieux en mieux planqués. Boulon. Ok. Bel enchaînement. Oh là là, encore deux. Vis. Non mais vous faites exprès ceux qui disent vous. Carrément l'emplacement des trucs. L'emplacement des chats, c'est quoi l'intérêt? Dites vu, si vous l'avez vu, vous êtes content, vous l'avez vu, mais dites pas où. Pitié.
Davis. Il en reste invisible. Oh mais comment ça, le visible, il est où là? Dans un motif de mur. Oh putain, bah ouais, sur le mur là. Ok. Maintenant il faut un écrou, une vis et un chat caché. Ok, le cachet est trouvé. Écrou et vis. Bon. Et allez, ça, non? Là, techniquement, c'est des vis, non? Putain, ils veulent pas. Là, je regarde sur la table. Il y a rien, il y en a pas sur la table. Oh. Ouais, ils sont durs. Hein. Je ne sais pas. Je pense que c'est à droite parce que là j'en vois pas du tout. Non mais c'est dingue là. Des indices intégrés dans le jeu. Là, pour les vis et les écrous, non. Non, non, pas du tout. Ah merde! Eh bah merde. Je commence à en avoir ras le cul. Ça y est, j'en ai marre. Ma patience est arrivée à sa limite. Et attendez, si je dézoome. Elle est minuscule.
Ah. Boulon, maintenant c'est vis. Putain. Tellement dur. La vis. Hasta la vista, quoi. Je sais pas. Si je zoome comme ça, est-ce qu'on la voit? Quelqu'un l'a déjà vu, la vis? Non! Oh, les chiens! Non, c'est grave. Hein. Oh, les chiens! Les chats! Oh la vache. Bon, les derniers écrans. On se fait un dernier écran et après je me casse. Bon, ça va, c'est pas un très gros celui-là. On voit tout. Déjà le boulon à l'extérieur, je me ferai pas avoir. Parti, on commence par en bas à gauche. Vis. Pas caché, boulon. On va zoomer et on va chercher. Donc, 18. On a plus de boulons, faut trouver les vis. Ok, les vis sont pas très compliquées. Enfin, cet écran est quand même beaucoup plus facile que l'autre. Plus de vis, plus que les chats. Pas caché. Oh là là. Bah c'est comment Paper Mario? Bah écoutez, j'ai fait la première session, on a tué Karabakh Rock, et voilà. Et on n'avait pas relancé depuis. Il y a un chat qui est flagrant pour moi, mais qui va avoir du mal à le trouver. C'est quoi ça? C'est une façon de flex? C'est un flex bizarre, ça. Évident pour moi, mais lui va galérer. D'accord. Hop, dans l'horloge. Plus que un visible. Allô ?
Alors là, balabalabam. Cliquez sur tous les objets encore. Il est caché dans... Là. Non. Déjà, on pourrait trouver le dernier qui est visible. Comment ça, je le vois pas, le dernier visible ? Il est fourbe, c'est ça ? Il est tricky. Il est tricky, tricky. Comment ça? What the fuck? Un chat caché traître. Oh là là, bah ouais, mais... Le caché, les deux cachés sont traîtres, et le visible, il est traître aussi. Est-ce que là, c'est visible à l'écran? Vu. Oh putain, bah certainement. Pardon. Un truc qui vient de passer au-dessus. Non, mais ça peut pas être ça. C'est pas ça. Mais il est 100% dans les vêtements et je le vois pas. Ah, je le vois pas. Alors là. Je suis en train de prendre du recul sur les choses. Ça me paraît impossible. C'est impossible. Non mais peut-être que vous croyez que c'est un chat et en fait c'en est pas un. Peut-être que vous êtes en train de péter un plomb. On le voit encore là ? Là on le voit là. Quoi ? C'est pas un chat ça ! Si c'est ça que vous pensez, ça ne marche pas ça. Euh...
Ben voilà, putain, mais c'est pour ça, ça raconte n'importe quoi. Ce n'est pas un putain de chat ici, j'ai déjà cliqué. Oui, voilà, donc là, il est pas visible ici, il est pas là. C'est bien ce qui me semblait, là, depuis tout à l'heure, on me dit de la merde. Flopesque. C'est bien ce qui me semblait. Ah, le chat caché. Il en reste un. Montre-toi. Quoi, vous l'avez vu ? Comme ça, vous avez vu quoi, le caché ou le visible ? Les deux. Super. Ouais, les verts et bleus. Les verts, c'est ceux qui sont très malades. Enfin, ceux qui étaient cachés tout simplement. Ok, bon, on a trouvé le cachet. Et maintenant, il reste plus que le visible. Mais le visible est peut-être pas là. Il reste un dernier. Qui n'est pas ça, évidemment. Vu, bah là, bah, c'est sur toute la map, donc effectivement. Voulez-vous plutôt à gauche ? Plutôt à droite ? Ouais, plutôt à droite, on est d'accord. À gauche, j'ai tout regardé. Non ! C'est très grave. C'est très très grave. Il est minuscule, il est minuscule ! Regardez dans le décor, il est tout petit. Oh les bâtards. Oh là là. Bah écoutez. C'était Tower Full of Cats. Je sais pas combien de temps ça dure et combien il y a d'écran à faire encore, mais... Mais là, c'est bon, là, j'ai ma dose. J'ai ma dose. Je dois y aller. Oui, au revoir, Léo. T'es pas si beau, Léo. Léo, t'es pas le plus beau. T'es correct, mais t'es pas le plus beau, tu vois.